Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui vous avez la première partie du diamond painting que je fais en même temps que mon amie Sylvie. Voilà, donc je vous rappelle, on fait le même diamond painting ensemble, chacune de notre côté. La seule chose qui diffère, c'est que moi je le fais avec des perles carrées et Sylvie le fait avec des perles rondes. Voilà, donc comme ça nous allons voir la différence entre les deux DP. La taille est exactement la même et je pense même qu'on l'a acheté au même vendeur si je me rappelle bien. Moi d'ailleurs je vous remettrai en barre d'infos le lien pour retrouver ce kit s'il vous plaît. On l'a acheté toutes les deux sur AliExpress, donc sur Youcan Store, je vous remets là en bas, et puis de toute façon vous allez le retrouver en barre d'infos. Donc voilà, donc on va vous faire une vidéo tous les 15 jours pour vous montrer notre avancée à toutes les deux. Donc chacune de notre côté, vous aurez la vidéo, le lien de la vidéo de l'autre en barre d'infos. Donc moi, vous aurez la vidéo de Sylvie en bas. Et sur sa chaîne, elle, il y aura ma vidéo aussi en barre d'infos sur en dessous de sa vidéo à elle. Donc ce qui vous permettra de voir les deux vidéos du coup et de voir l'avancement, où on en est. Bon, là, je ne sais pas encore où en est Sylvie. Moi, je n'ai pas vu. Elle n'a pas vu la mienne non plus. Du coup, en plus, ça nous donne la surprise, toutes les deux, de savoir où on en est arrivé, parce qu'on ne s'envoie pas de photos. Bon, je n'ai pas avancé beaucoup pour le début. Mais bon, on ne fait pas la course. Comme on s'est dit, c'est surtout juste comme ça pour nous amuser et pour voir en même temps la différence qu'il y a entre les perles rondes et les perles carrées, donc pour voir le résultat. Donc pour l'instant, alors moi ce que j'ai pu voir avec mes perles carrées, c'est que je croise les doigts, pour l'instant j'ai aucun souci, les perles sont super bien alignées. Donc j'ai aucun problème, j'ai aucun décalage, toutes les perles sont pareilles, de la même taille, bien coupées, donc nickel. Bon, j'espère que ce sera comme ça jusqu'au bout. Donc là, bon, comme vous allez voir dans la vidéo, je suis à presque deux carrés. j'ai pas beaucoup avancé, mais ça ira mieux après. Donc vous aurez une vidéo donc tous les 15 jours de chacune de nous pour cette avancée. Alors la prochaine vidéo sera pour le 5 février. Donc je pense, si je ne me trompe pas, ce sera tous les 5 et tous les 20 de chaque mois, vous aurez donc cette vidéo de chacune. Sauf en cas de souci de l'une ou de l'autre. Bien sûr, on n'est pas à l'abri d'avoir un souci, hein, l'une ou l'autre. Donc, mais normalement, ce sera le 5 et le 20 de chaque mois qu'il y aura une vidéo en ligne sur ma chaîne et sur la chaîne à Sylvie. Voilà. Je vais vous laisser visionner cette partie. Enfin, là, vous n'avez pas le visionnage de la première partie, hein, puisque je ne vous ai pas visionné les deux carrés. Sinon, là, vous en avez jusqu'à minuit. Mais j'ai visionné, donc j'ai visionné.
n'importe quoi. J'ai filmé ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce que j'ai fait avant, je ne voulais pas filmer, bien sûr. Allez, je vous laisse visionner et on se retrouve donc pour ce DP. On se retrouvera pour une prochaine vidéo, donc le 5 février. Et en attendant, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouvera pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous. Bon visionnage et n'oubliez pas d'aller voir la vidéo à Sylvie en même temps. Bisous bisous, à bientôt.
Thank you.